sommes au premier jour de cette semaine des ambassadeurs. La première partie est consacrée à la rencontre avec les publics. Nous avons toute une série d'ambassadeurs donc, qui expliquent ce qu'ils ont fait sur un certain nombre de grands sujets comme l'Iran, l'Europe, l'Ukraine. Et ce que j'en retire, c'est un immense succès, un très grand intérêt parce que les salles sont combles. C'est une très bonne initiative du ministère d'organiser des débats ouverts au public avec donc, tous les ambassadeurs. Pour rencontrer des gens du terrain qui nous donnent leur point de vue interne sur des situations complexes. Alors, la semaine des ambassadeurs essaie de s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur et donc on essaie de faire connaître un peu mieux le métier d'ambassadeur au grand public. Donc pour ce faire, il y a eu cette mise en place d'un programme Confidence d'ambassadeur où des ambassadeurs s'expriment pendant, et des ambassadrices s'expriment pendant une demi-heure sur la nature de leur métier. L'idée générale, c'était d'ouvrir la conférence d'ambassadeur, qui est un exercice a priori fermé à toute personne qui s'est intéressée par la diplomatie. Les ambassadeurs, tout comme le public, sont contents en fait, de participer. Il y a un vrai échange, peut-être plus humain que ce qu'il peut y avoir parfois comme image à la télé ou via les médias plus classiques. En fait. Nous avons un devoir d'être à l'écoute de nos concitoyens et également de leur expliquer ce que nous faisons et de partager avec eux les expériences que nous avons sur le terrain.